Est-ce que toi... Ils ont éteint la lumière. Est-ce que ton dernier fil est noir? Oui. Est-ce que ton numéro de série, il est impair? Je suis dans le noir, ils m'ont mis dans le noir, alors, je vois rien. Et ben quand tu verras, tu regarderas alors, le numéro attends, de série. Vois... Le dernier numéro de série, c'est ouais, quoi? C'est 8. Quoi? Bah donc c'est pair. Ouais. Est-ce que t'as un seul fil rouge? Oui. Et t'as plus d'un fil jaune? Oui, j'en ai 3. Coupe le premier fil. Ah putain, attends, j'ai un problème avec la... Ta gueule, putain, y'a des problèmes avec la bombe. Bon, c'est qu'elle va pas péter, c'est des problèmes. Non mais c'est... Vas-y, je vais couper quoi là? Le premier, j'ai dit. Non mais attends, faut que je lise tout avant qu'on... Mais qu'on non, tourne. Non, 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 personne ne lit. À propos de qui est le premier, j'ai des étapes 1 pour déterminer. C'est quoi l'étape? Tiens, c'est un gros bain. En fonction du mot fichier, lisez l'étiquette ah du non. bouton. Non, mais il va falloir le faire carrément en jeu. Tout est là et le truc, tu vois. Mais bien sûr. Que là, je lis des trucs. Attends, étape 2. En lisant l'étiquette de l'étape 1, appuie non, sur le premier bouton. Dans les... Après, dans lisez grâce à 2 sur 23. Bah. Mon frère, tu me diras, il faisait ça sur portable, hein, tu sais, donc. S'il le fait sur portable, c'est bien possible pour moi. Hein. Chaque module est indépendant et qui peut être désactivé dans n'importe quel ordre. Il y a 3 modules. Ouais, 3 modules. On peut faire jusqu'à 3 erreurs. Okay. Et du coup, je te vois déjà sur ton. Je t'imagine déjà sur ton PDF, mec. Et on a 5 minutes oh, pour désamorcer la bombe. J'ai alors chaud. Attention, t'es prêt? Ouais. Start. Donc, du coup, j'ai des fils. On a un module avec des fils. Ça te dit quelque chose? Alors, oui. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 fils. Ok. Mec. Avec un fil. Alors, un fil jaune, 3 fils bleus, un fil noir. Attends, c'est dans les fils. Est-ce que ton dernier fil est noir? Non. Faut se dépêcher parce qu'il reste 4,45. Arrête en fait. Arrête. Mec, il reste 4 minutes 20. Coupe le premier fil. Attends. C'est bon. C'est bon. Alors du coup, après, j'ai un logo avec des symboles. Enfin, un module avec des symboles. Ok, symbole, ça marche. Ok, donc du coup, le premier module, enfin le premier carré, là, c'est un espèce de A avec un T à l'intérieur. Je le vois, ok. Ok, le deuxième à droite, c'est un espèce de N à l'envers. Attends, seulement une des colonnes ci-dessous possède les 4 Dieu, symboles. Il reste 4 minutes, appuyez sur les 4 boutons. Arrête! Appuyez sur les 4 boutons dans l'ordre dans lequel les symboles apparaissent dans cette colonne, de haut en bas. Alors, le premier, c'est. Le premier en haut à gauche, c'est un A avec un T à l'intérieur. Ok. À sa droite, c'est un espèce de N à l'envers. Ok. Ouais. Ok. En bas à gauche, c'est un espèce de A avec une petite queue en haut et un okay, trait. Ok, je le vois. Ok. Okay. Et en bas à droite, du coup, c'est un espèce de O avec une barre en bas. Ok, alors seulement les 4 boutons dans l'ordre dans lequel les symboles apparaissent dans cette colonne. Alors tu cliques en premier sur le A avec le T. Ok. Ensuite. C'est pas du tout ça. Le A avec qui contenait le T à l'intérieur ou le A qui avait la barre en haut? Non, le T à l'intérieur. Non, c'était pas ça. Bah si. Bah non, je viens de le faire. Ah non, excuse-moi, putain. Alors, vas-y, c'est vas-y, trop vite. C'est le O avec le petit trait en bas. Ouais, vas-y. Ensuite le A avec le T. Ouais. Ensuite le A avec le T au-dessus. Ouais. Et ensuite le N à l'envers. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors du coup maintenant il me reste un dernier module avec un bouton jaune, un gros bouton jaune et c'est écrit abort dessus. Le premier, bouton jaune à propos de mémoire. 2 minutes 40. Morse, fil compliqué. 2 minutes 40 Michel. Des boutons tu m'as dit hein. Un bouton, un gros bouton jaune avec écrit abort dessus. Et est-ce qu'il y a du pu? Quoi? Est-ce qu'il y a du pu sur ton bouton? Non, non, qu'est-ce que tu racontes, non? What the fuck? Attends. 2 minutes 20, je t'envoie oui, pas. Mais arrête, putain, arrête. Oh, tu l'as pris où ton cours de déminage? J'ai le CAP, là. Ah, bouton, oh, ok, bouton. Se référer à l'annexe A pour identifier les éducateurs. Putain, c'est où l'annexe A? Un gros bouton jaune avec écrit abord dessus. Si le bouton est jaune, appuyez, maintenez enfoncé, référez-vous à relâcher un bouton rouge. Donc, reste appuyé sur le bouton jaune. Super. Tu le maintiens enfoncé. Ok, ok, ok. Okay. Attends. Hein. Ouais, il y a une jauge bleue qui apparaît sur le côté. Bah, bouge pas, bouge pas. Ouais, référez-vous à relâcher un bouton foncé. Attends, il faut aller voir autre chose. Alors, 1 minute 30. T'as une bande quelle couleur tu m'as dit? Bleu. Compte à rebours affiche un 4 à n'importe quelle position. Quand tu verras le compte à rebours qu'affiche 4, tu relâches. Ok. Alors attends. Ah, c'est bon. C'est fini? Ouais. Oh, j'ai chaud. Oh, putain. Il restait 1 minute 14 alors oh que c'était que le tutoriel. Oh putain. Oh, je suis en stress. Hein. Ouh. J'ai l'impression que c'est un écran qui vient de péter à la gueule. Toi, tu vois pas l'image, t'entends pas la bombe. Moi, j'entends non, la bombe du coup en retour. Ouais, non, moi, je t'entends toi parler, c'est comme si j'entendais la bombe. Hein. Oh putain, on l'a fait. On l'a fait. Oh putain, vas-y, calme-toi. Attends, y'a un truc hyper compliqué. Alors attends, non, non. J'ai 2 symboles, les symboles.
Symbole. Okay. Alors, en haut à gauche, c'est l'espèce encore de A avec la queue en haut et le T, là. Enfin, au-dessus. Au-dessus. Non, au-dessus. Ok, ouais. Après, à droite, c'est un espèce de O avec une boucle à l'intérieur. Ensuite, en bas, à gauche, c'est un K, enfin un double K, en fait, comme un effet miroir. Ouais, je vois. Et ensuite, c'est un C, bah, logo copyright. Bon, alors, t'appuies sur copyright. Ok. Ensuite, c'est bon le O avec la boucle. Ouais. Le double K et le A. Ok, c'est bon. Ensuite, j'ai encore un deuxième module. Pareil, encore, les symboles. Okay. Alors maintenant, c'est... Putain, c'est quoi ce logo de merde? C'est un espèce de trident. Enfin, c'est une espèce de fourche avec un triangle dessus. Ouais, ok. Ensuite, c'est un point d'interrogation à l'envers. Ok. Après, c'est paragraphe. Tu sais, le petit logo paragraphe, c'est un espèce de P à l'envers, en fait. Ouais. Et après, c'est le double K. Donc, tu fais paragraphe. Alors, paragraphe. La fourche avec le triangle. Ouais. Tu m'as dit quoi en... Après, j'avais en fait, après la fourche et le triangle, j'avais le point d'interrogation à l'envers. Ouais. Et en dernière position, j'avais le K, le double K. Donc tu fais double, double K et le point d'interrogation à l'envers. Ok, vas-y, c'est bon. Par contre, là, j'ai un module, mec, je le connais pas du tout. C'est une espèce de labyrinthe. Ah oui, les labyrinthes, j'ai vu ça quelque part. Une espèce de labyrinthe avec, moi, j'ai deux cercles verts. Attends. Deuxième année de CAP. 2 minutes 30. Trouver le labyrinthe dans les premiers, dans les repères circulaires correspondent. Le démineur doit amener le point blanc jusqu'au triangle rouge en utilisant les boutons en forme de flèche. Attention, ne traversez pas les lignes du labyrinthe, ces lignes n'apparaissent pas sur la bombe. Oh mec, ça a pété, je le sens mal. Alors, donc, en fait, si tu veux, j'ai des cercles là, la con. Oui, alors ils sont où tes cercles? Dans la première, alors, mais ça, dans la première deux, colonne à gauche. Ouais, première colonne, alors tu pars de la gauche, tout à gauche. Oui. Première colonne, ok. Donc la colonne, c'est l'avant-dernier. Tu pars d'en haut, tu sais, tu descends tout en bas et c'est l'avant-dernier, quoi. Ok, alors attends, je le cherche. La colonne. Je l'ai trouvé, ok. Ok, et ensuite t'as deuxième ligne, par contre, là, cette fois-ci, en partant vers la gauche. Tu comprends quand je dis colonne ou ligne ou pas? Je dis les lignes, en fait, voilà, ok. Donc, et en ligne, c'est la deuxième ligne, et en partant vers la gauche, c'est le 1, 2, 3, troisième. Ok, j'ai. Donc, et toi, tu veux savoir où est-ce qu'il est, mon point blanc? Alors attends. Ah donc ok. Mec, il reste donc, 58 secondes. Et ton point, il est où, tu m'as dit? Toi, tu démarres. Lequel? Tu démarres où, toi? Première colonne. Première colonne. Ok, 1, 2, 3, 4. En partant vers le haut. Alors, tu montes d'un. Ouais. Un à droite. Ouais. Tu montes tout au-dessus. Vas-y, un seul, je monte d'un seul en haut. Tu vas jusqu'au-dessus. Ok, vas-y, vite. Encore 1, 2, 3 à droite. 1, 2, 3, vite. 1, 2 en bas. 1, 2, vite. 1 en bas, à gauche. Ok. 1 en bas, et encore en bas. Oh mec, ça va pas. T'es tout en dessous. Ça a pété. Ça a pété? Ouais. Putain. En fait, j'arrivais plus à voir où était ton triangle rouge, en fait. Ah merde, putain. Ok, donc premier symbole. C'est un espèce de 3 avec une queue et des oreilles. Ouais, d'ailleurs, ok. Un 3 avec des queues et des oreilles. Ouais, espèce de 3 avec une queue, trop bizarre. Un 3, ah oui, celui à sa droite, du coup, c'est une étoile. J'ai. En bas à gauche, un espèce de petit smiley qui tire la langue, on dirait. J'ai, ouais. Et après, en bas à droite, on dirait un espèce de chandelier. Ouais, alors tu fais chandelier, smiley. Ouais. C'était quoi après que tu m'as dit? J'ai le 3 avec la queue. Tu fais 3 avec les queues et étoiles. Ouais, ok, c'est bon. Ok, maintenant, c'est un module avec des fils. J'ai que 3 fils. Profil. Sans mal. Est-ce que t'as un fil rouge? Non. Le deuxième. Ah, c'est bon. Ah, j'ai un module, je le connais pas. Oh, c'est un truc avec plein de couleurs. Enfin, putain, c'est quoi ce module de merde? On dirait je sais plus comment ça s'appelle, ce jeu à la con où t'appuyais sur des couleurs et tu devais retenir les codes couleurs. C'est le genre de jeu auquel vous jouez enfant où il faut répéter la séquence jouée sur celui. Ouais. Voilà, okay. Et bah là, ça clignote rouge. L'un des 4 boutons colorés va clignoter. Voilà, rouge. Alors, en utilisant la table adéquate, si dessous, appuyez sur le bouton qui correspond à la couleur. Le bouton initial va clignoter, puis un autre. Comment ça s'étend depuis le début en utilisant la correspond. Donc là, il faudrait que t'appuies sur du bleu. Bleu? Ouais. Ouais, c'est bon. Ah, attends. Ah, ça fait maintenant bleu, rouge, rouge. Bleu, rouge, rouge? Ouais. Flash bleu. Et 2 fois rouge? Ouais. Alors là, je dirais jaune. Non, ça va pas. Comment ça va pas? Attends, je regarde comment il clignote. Maintenant, il fait 2 fois rouge. Il fait juste 2 fois rouge. Là, on a fait une faute, là, par contre.
Bah oui, mais du coup ça recommence, mais c'est pas grave, il fait deux fois rouge. Donc en mais fait non, mais... tu. Ouais, mais du coup ça change, parce que moi si on a fait une faute, moi le code il change. Ah merde, bah donc, du coup là ça ça fait deux fois rouge. Deux fois rouge? Ouais. Et bah tu cliques sur. Bah je sais pas si tu dois cliquer deux fois sur rouge ou une fois sur rouge, du coup si t'as fait ça, c'est clique pas, si non. Ça clique. Tu dois faire rouge, une fois ou deux, du coup j'en sais rien. Une fois. Comment je ça fais une fois? Et ça marche? Non, ça fait rien. Tu l'as fait une deuxième fois? Non, j'ai cliqué, ça fait rien du tout. Ouais, flash rouge avec une faute. On a fait une faute. Ça flash ça rouge. Ça fait deux fois rouge. Bah ça clignote deux fois rouge. Hein. Ah bah... Attends, il a fait quoi maintenant? Il a fait un nouveau truc. Attends, je sais pas. Putain, allez, vas-y, allume-toi là. Ah, maintenant il fait rouge, rouge, jaune. Rouge, rouge, jaune. Ouais. Alors, flash rouge. Donc, c'est deux fois rouge et une fois vert. C'est bon? Attends, je sais pas maintenant. Attends, il fait rouge, rouge, jaune, bleu. Rouge, rouge. Jaune, bleu. Jaune, bleu. Alors, deux fois minute rouge. 12. Deux ouais. Fois rouge, une fois vert, une fois bleu. C'est bon. Yes. Ah. C'est fini? Ouais. Oh putain, yes. Oh, il restait une minute deux. Je commençais à paniquer et tout, mec. Ouais. Je respire, je respire. Il dit tranquillement ce qu'il veut. Bah, c'est pas comme si j'avais une bombe sur les genoux qui était prête à péter en 5 minutes. Mais bon, je t'en veux pas. Hein. Alors, ok, alors attends, putain, oh là 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 là, attends, attends, j'attends que ça s'allume. Ok, c'est bon, j'ai des modules avec des fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. 6 fils. Ok. Oh putain, il y en a derrière. Alors, est-ce que t'as un fil jaune? Oui. T'as deux fils rouges? Oui. Coupe le quatrième fil. 1, 2, 3, 4. C'est bon, c'est bon. Ok, donc maintenant j'ai un autre module encore avec des fils. Okay. Et cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3, encore 6 fils. Ok, alors vas-y. J'ai deux fils blancs, trois fils noirs, un attends, fil attends, jaune. Attends. T'as deux fils blancs. Ouais. Et un fil jaune. Oui. Et bah tu coupes le quatrième. 1, 2, 3. C'est bon, ok. Maintenant j'ai les symboles. Putain. Alors, les symboles, du coup, le premier c'est une étoile vide. Une étoile vide, ok. Ouais. Après c'est l'espèce de haut avec la petite, tu sais, la petite queue à l'intérieur là. À l'intérieur. Ouais. Le c'est haut le avec haut, le cercle, expliqué, okay, là. Okay, ouais, okay, voilà. Okay. Ensuite, c'est un C avec un point, un C à l'envers avec un point, à l'intérieur. Ouais. Et un point d'interrogation à l'envers. Alors, tu fais C avec le point. Ouais. O, étoile, point d'interrogation à l'envers. Ok, c'est bon. Maintenant, on a un autre module encore avec des symboles. Du coup, cette fois-ci, c'est le double K. Okay. L'étoile à l'envers. Après, je sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de paire de miches avec une virgule au-dessus. Alors attends, là j'étais de K, je suis passé à paire de miches, mais attends. Je sais pas, ça. Attends, de logo double K, et le deuxième, c'est quoi le deuxième? Double K, une étoile vide. Double K, étoile vide, alors l'espèce de... C'est quoi les miches? Ouais, on dirait... Ah oui, je vois les miches, avec voilà, un okay. Signe bizarre au-dessus, entre voilà. Les miches, ok voilà. Ensuite c'est le A, avec la petite queue en haut et la barre à, alors, à travers. Alors tu fais les miches. Ok. Tu fais double K. Ouais. Tu fais le R. Le R, il y a pas de R. C'est quoi le troisième symbole que tu m'as dit? Je t'ai dit double K, l'étoile vide, les miches et le A avec le. Alors tu fais miche, double K, le A ouais. Avec le truc au-dessus et l'étoile. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Ok, ensuite j'ai deux boutons. J'ai un premier bouton rouge où c'est écrit à bord dessus. Il reste 2044. Attends, attends, attends. Putain. Les boutons, les boutons, les vas-y, boutons. Vas-y, vas-y, il reste deux modules. Putain. C'est un bouton rouge, un gros bouton rouge avec écrit à bord dessus. Moi j'ai une famille, d'accord, j'aimerais bien les revoir ce soir. Tu les reverras. Non mais prends dans pas un... le temps comme ça, il reste devant. Dans un autre monde, oui bah attends. Putain mais... Ok. Il est rouge avec marqué à bord. Oui, rouge avec écrit à bord dessus. Si tu veux, sinon j'ai un deuxième bouton avec écrit blanc, blanc dessus ou c'est écrit bon, hold. Maintien enfoncé. Ok, vas-y. Alors, c'est rouge. Oh putain. T'as une bande rouge? Oui. Dès que t'as un 1 qui s'affiche à n'importe quelle position, tu relâches. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y, le deuxième, ça a un espèce de bouton blanc, un gros bouton blanc où c'est écrit hold dessus. Bon, on reste appuyé dessus. Ouais. Ok, c'est blanc, c'est blanc. Bande blanche. Ouais. Tu relâcheras quand t'auras un compte... Attends, lorsque le compte à rebours affiche 1 à n'importe quelle position. Quand t'auras le compte à rebours qui affiche 1, tu relâches. Ok, ok, ok. C'est bon. Oh, putain, il restait 51 secondes, mec. Ah, tu m'as fait peur. Bah, ça va, 50 secondes. Quoi, 50 secondes? Mais putain, mais toi, t'as pas le son, t'as rien. Quand t'as la bombe avec mais le moi, timer j'ai et tout. Le son de ta putain de bouche là qui me stresse de fou là. J'ai le son de ta grande gueule. Mais je dois lire en même temps tout ce merdier là, putain. Putain, mec. Et la prochaine fois, il faudra qu'on te voie en direct carrément. Ah, bah, tu verras, pour je suis là comme ça avec mes yeux, on dirait une taupe en train de lire là. Une taupe. Écoute. Ok, c'est un A et E ensemble, collés. Ouais, ok.
Ok, après le deuxième symbole, c'est bien, on dirait un espèce de symbole à God of War, à droite. Ok, je vois. Tu vois ce que c'est? Ouais. Après, un espèce, en bas à gauche, on dirait que c'est un espèce de symbole euro à l'envers, là, avec deux points en haut. Sauf qu'il manquait une barre. Ouais. Voilà, et l'autre, c'est un 6, un espèce de 6, on dirait. Mais avec une vague sur le dessus, Alors, tu tu vois. fais 6 euros. Alors. Ouais. A et E et God of War. Ok, putain, les noms de merde qu'on donne. Ok, après, c'est le labyrinthe. Oh putain, c'est deux mots du labyrinthe. Putain. Attends, je me positionne. Ok, j'y suis. Ok, Alors, où sont donc tes points? Alors, cette fois-ci, les cercles. Ils sont. Alors, tu vas tout à droite. Cette fois-ci, la colonne, première colonne à droite. Ok? Donc, on part Première de la droite cette fois-ci. porte de Donc, la là, c'est la droite. deuxième colonne en partant de la droite. Ok? Deuxième colonne partant de la droite et il Voilà, est et maintenant, ici. quand tu pars d'en haut, tu fais 1, 2, 3. Voilà, là, t'as le premier. Attends. Deuxième colonne en partant de la droite. Oui, donc l'avant-dernière colonne, quoi. Oui. Bon, et il est où ton point? Alors, 1, 2, 3, en partant du haut. 1, 2, le troisième. Ok, j'ai. Ok, c'est bon. Ensuite, la flèche rouge, elle est dans cette même colonne, sauf qu'elle n'est pas en 1, 2, 3, 4, 5. Elle est en cinquième position, elle. Ok, Ok? donc tu fais. Ok. Maintenant, partant. Mais attends, je t'ai pas dit le point, l'autre Alors point. attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, maintenant, partant toujours de la droite. 1, 2, 3, troisième colonne. Et c'est tout en bas, le cercle, tout en bas. Alors va un au-dessus. Ouais. Un à droite. Ouais. Un en bas. Ça va péter, mec. 1, Ouais. 2. 1, 2 à droite, je veux dire. 1, 2. Ouais. Un en bas. Ouais. Un à droite. Ok, c'est bon, la deuxième, ça va péter, c'est mort. C'est première colonne. Première colonne, 40 secondes, mec. Oui, arrête. Première colonne. Oui. Le deuxième. Deuxième. Oui, okay, j'ai. Important. Ok, c'est bon. La flèche rouge, elle est en deuxième colonne, le premier. Ok. La dernière colonne. Ok, le troisième. Pour le cercle. Ouais. Et avant-dernière colonne, du coup, c'est mon point. C'est l'avant-dernier, en partant du bas. Avant-dernière colonne, avant-dernier. Ouais. Alors, tu fais un à gauche. Ouais. Un en bas. Vite, 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 vite. Un à gauche. Ouais. Un au-dessus. Ouais. Vite, deux vite, à vite. Gauche. Ouais. Tout au-dessus. Ouais. Et un à droite. Oh, il restait 9 secondes. Putain de ça reste. Je crois que je vais des auréoles sous les bras, mec. Putain. Mais tu me stresses trop, hein. Quoi, tu me stresses? Tu veux voir ce que ça fait d'avoir une bombe sur soi? Mais tu mais fais t'es quoi malade, toi? Tu te rends compte de la position où je suis? C'est moi le démineur là-dedans. Si je te donnais mes indications, tu crèves et c'est moi qui devais le dire à ta famille. Elle est décédée à cause de moi. Donc du coup, c'est moi qui mangerai avec vous la dinde de Noël. Ouais, là, moi, ouais. Ça clignote jaune. Et si tu veux savoir si c'est pair ou pas... Ah, c'est pair cette fois-ci. Non, c'est pas pair, c'est voyelle ou pas voyelle. Ah bah, j'ai plus. Oui, bah A, c'est bon, il y a un A. Ok, merde. Sinon on continue. Ok, A, ça clignote, quelle couleur? Pair. Jaune, le mec il m'agresse. Appuie sur vert. Mais mange tes morts, c'est pas pair. Mange tes morts. Mais attends, ça... voilà, ça fait jaune bleu. Vert rouge. Ok, c'est bon, attends, j'attends. Jaune bleu vert. Vert rouge jaune. Ok, alors attends. Jaune bleu vert rouge. Vert rouge jaune bleu. C'est bon, ok. Alors, les fils, on va faire les fils. Vas-y, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 fils. Ok. Est-ce que ton... la lumière. Est-ce que ton dernier fil est noir? Oui. Est-ce que ton numéro de série, il est impair? Je suis dans le noir, ils m'ont mis dans le noir, alors, je vois rien. Et ben quand tu verras, tu regarderas alors, le numéro attends, de série. Je vois... Le dernier numéro de série. C'est ouais, quoi? C'est 8. Quoi? Bah donc c'est pair. Ouais. Est-ce que t'as un seul fil rouge? Oui. Et t'as plus d'un fil jaune? Oui, j'en ai 3. Coupe le premier fil. Ah putain, attends, j'ai un problème avec la... Ta gueule, putain, y'a des problèmes avec la bombe. Bon, c'est qu'elle va pas péter, c'est des problèmes. Non, mais c'est... Bah si, je vais couper quoi, là? Le premier, j'ai dit. C'est bon. Ok, c'est coupé, mec, y'a un module, je ne comprends pas, c'est avec des hertz. On dirait un espèce de truc radio. Attends, détends, ça va aller. Va aller, vous ça êtes va sur aller. La radio 3505. Ok. Interpréter le signal de l'ampoule qui clignote en étant la table d'écodage. Voilà, c'est du morse, on dirait que c'est du morse. Ok, le signal est en boucle, chaque pression est en l'espace par une... passer par une longue pause. Lorsque le mot est identifié, réglez la fréquence correspondant et appuyez sur le bouton de 3. Mais non, mais moi, c'est ma première lettre, c'est normalement, c'est bon. C'est forcément 3595. Mec, je comprends pas ce module. Ça me perd. Totalement perdu. Il faut que t'attendes la grande pause. Et la grande je sais, pause... je sais, là, attends. Voilà, grande pause. Attends. 1, 2, 3. 1. 1, 2. 1. 2, 3, 4. Putain, mais c'est la merde en fait.
Mec, c'est la grosse merde, ça va péter. Hein. La première, c'est bien 3 cours, 2... Attends, tu m'as dit quoi, putain? Ça a pété. Ça a pété? Ouais. Putain. Un clignement court, c'est correspond à un point. Un clignement long correspond à un tiret. Donc ça, c'est pour moi. T'as une pause entre chaque lettre et t'as une très longue pause entre chaque répétition du mot, chaque fois que le mot va se répéter. T'as compris ça? Ouais, ça. Bah, le petit point pour. Oh, mais c'est bon là! Le petit point pour une mongole! Oh, t'as compris, c'est bon? Alors, bah, cette pause qui est se passée, faut que tu me dises pour toi quand il y a pause. Pour que moi j'aille chercher une autre lettre à ce moment-là, tu vois? Parce que quand tu me dis 3 cours, 1 lent, moi j'ai des codes à 3 cours, 1 lent. Ça peut être complètement une autre lettre. Si tu me dis par contre 3 cours, pause, 1 lent, 1 cours, je sais pas quoi, là je sais que je vais chercher une autre lettre. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et bah, quand t'as une pause. Pour toi que tu vas passer une autre lettre, faut que tu me dises pause. Comme ça, moi, je sais que j'ai fini de chercher ma lettre, je passe à une suivante. Oh là là, je le sens mal. Je sais que tu vois que tu m'as pas compris, je le sens, hein, ça sent la merde. Hein. Je t'ai pas du tout compris, mec. Ok, maintenant, j'ai un menu que je ne connais absolument pas, avec des mots au milieu, on dirait un alphabet, avec des flèches en haut, des flèches en bas. Ah oui, en fait, c'est censé former des mots. Oui, non, okay. Mais moi, c'est moi qui ai le tableau des mots, mais... Oh putain, attends, il y a la... Oh, attends, ferme ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ah, c'est bon, putain, c'est la merde, mec. La première lettre, c'est un J. La V, V, maintenant, ça peut être un V. J'ai changé, j'ai mis V. Et ma deuxième lettre à côté, c'est un M. Vas-y, dis-moi les trucs en V, tout ce que t'as en V, tout ce que t'as en V. J'ai que dalle en V. Ok, bon, bah, vas-y, un C. T'as quelque chose avec un C? Avec un C, C, comme oui. Connard. Ouais, ouais, j'ai quelque chose. Tu peux mettre un vas-y. O après? Attends. Non, 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 je peux pas. Ouais, tu peux mettre un A après? Ou un E? Je peux mettre un E. Ok, tu peux mettre un A après le E? Oui. Ensuite R, N. Ok, R. The mic. N. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dernier module, un module qu'on ne connaît pas, avec écrit LED en haut, j'ai un bouton, c'est écrit LED, et j'ai 6 boutons en bas, avec plein de mots différents. Donc j'ai un bouton en haut, pavé tactile, où c'est écrit LED, et j'ai 6 boutons en bas. Je ne sais pas pourquoi, avec des mots différents dedans. Il reste 2 minutes 17. LED avec des mots en bas? Ouais, enfin j'ai un bouton, c'est écrit un mot, donc LED en l'occurrence là. Et après j'ai 6 boutons en bas. Des colonnes, une colonne de 3, une autre colonne de 3. Ah je crois que j'ai, ok. Ok vas-y. Lisez le mot affiché en utilisant l'étape LED. 1. Point. LED. Avec le mot de cette étiquette, utilisez l'étape 2 pour déterminer sur quel bouton appuyer. Recommencez jusqu'à ce que le module soit désactivé. Rien compris. Il est en deuxième position, Nothing? Ouais, il est en haut à droite. Il est à droite, ouais. Au milieu? Ouais, il est à droite, ouais. Premier, deuxième, ouais. Ok. Je sais pas, tu dois cliquer dessus, peut-être. Panique pas, il reste une minute, hein. Je clique. Ça va. Ouais. Vas-y. Non, c'est pas bon. Ça m'a remis un nouveau mot, maintenant. Vite, appuie. Oh, appuie sur le deuxième bouton de la colonne à gauche. Gauche, donc je descends. Je descends de oui. Là. Oui, ouais, tu descends okay. De là. Non, c'est pas bon. Putain. L'autre, c'est blank, maintenant, le nouveau mot. Putain, mec. J'ai like, hold, what, u, next, sure. Oh putain la vache. Ah. C'est quoi le mot tu m'as dit? Ça a pété. Ah mais putain en fait il y avait une étape 2, je l'ai pas lu. Ah. Oh les demi-nards mes couilles. Ah putain il y avait une deuxième page. Je sais pas trop lire alors. Je l'ai pas lu. Tu sais, une fois que Michel est mort, putain. Alors, ben, il y avait la deuxième page, j'ai pas lu. Bah écoute, la flemme okay. De retourner la feuille, pff, oh, putain, je dis des merdes, ce con. Vas-y, au retry. Ah, putain. Je suis désolé, putain. T'inquiète. Ah, mais il est compliqué, vas-y. Celui-là. Pourquoi ça va encore trop vite? Là, ça te dit quelque chose ou pas? J'ai la première lettre, mais après le 1. C'est que la première, ça? Mais non, mais justement, tu m'en dis trop, là. Mais je t'en dis trop, t'es marrant. Mais tu me dis trop de mots, là. Trois cours à l'an. Mais je te dis trop de mots. Mais tu dois me dire pause. Mais il y a les pauses, quand je te dis ça, c'est que c'est les pauses. Non, mais tout ça. Mais tout ça, ça fait pas un seul, mais bah, une seule putain, lettre. C'est quoi? Soupe au petit rond, c'est hyper long comme mot. Il y a pas soupe au petit rond. C'est un putain. Il y a bistrot à la rigueur, mais. Ouais. De attends deux secondes, putain, d'accord, je panique. Tout à l'heure, c'était 3 cours, 1 lent, maintenant c'est 1 cours, 2 lent. C'est parce que j'ai changé le truc là, parce que je pense avoir compris moi comment c'était. Ouais, donc t'as rien compris depuis le début en fait. Ferme ta gueule. Ça, rien, à chaque fois, c'est tu pas me fais... oh, tu sais quoi, on va s'engueuler et moi je verrai pas ma fille ce soir à Thanksgiving. Et ça me dégoûte de passer une journée de merde comme ça, d'accord? Écoute-moi, Thanksgiving. Non, mais c'est trop long ça comme truc. Mais putain, mais mec, tu dois voir combien de temps ça clignote mon bordel. Rapide, lent. Ouais, rapide. Rapide, lent, rapide, déjà rien que ça, attends. Déjà rien que ça.
court, hein, long. Arrête court, de changer de mot long. Putain, mais c'est pas possible. Ne change pas de mot. Mais ferme ta gueule, c'est exactement la même chose. Non, ne change pas oh, de mot. Oh putain, on vas-y, utilise vas-y, des vas-y, mots techniques. Rapide, rapide. Court, rapide. Mais change là, de mot. C'est censé... Mais c'est pas possible. Rapide, court, lent. Mais arrête. Tu fatigues. Putain, mais... Utilise un mot. Tu sais que la bombe, elle va péter là, à cause de tes conneries. Oui, mais on est déjà mort 5 fois, écoute. Hein. J'en peux plus. Eh ben, si je te dis rapide et court, c'est bon? Non? Mais rapide et court, c'est la rapide. Même chose. Dis-moi juste rapide. Mais parce que moi, je me comprends. Oui, mais moi, je te comprends pas. Hein? Je comprends rien. Je ne comprends pas les mots qui sortent de ta bouche. Oh mon dieu, c'est infect. On n'arrivera jamais à le passer, mec. Hein. Oh. Bon, là, on peut déjà abandonner pour celle-là. Il reste 5 secondes. À moins qu'en 5 secondes, on arrive à faire 3 modules. Vas-y, mec, j'ai chaud. Mets 3555. Trop tard, au moment où t'as dit ça, ça fait ça fait des chocs à pic. Tu m'emmerdes avec tes points et tes tirés, moi c'est... Et toi tu m'emmerdes avec ta bombe. Putain, bouffe ta bombe là et tu me fais chier vu que t'as faim. Bouffe là ta bombe. Oh putain. Mais genre, mais t'as qu'à venir, putain. Mon dieu, oh, putain, la si je viens et que je vois les pauses, je démonte ton ordi. Hein. Je repars avec. Mais putain, mais je... Eh ben voilà, ça a répété. La faute à qui? Et voilà. Voilà, assez le question de terrain qui n'arrive pas à voir des lumières qui clignotent. Voilà. Appuie sur le troisième bouton. Troisième bouton, c'est le 1. Ok, appuie, donc j'appuie, j'attends. 2. Appuie sur le même bouton en position que l'étape 1. Donc appuie sur le troisième position. Ok, c'est le 3 en troisième position. Alors maintenant. Ah, 3, 3. Ils ont éteint la lumière. Appuie sur le troisième position. Encore ? Ouais, ouais. Donc c'est encore le 3 en troisième position. Putain, je suis dans le noir, je suis dans le noir ! 4 ! Appuie sur le bouton troisième position. Oh putain, c'est le 4 en troisième position. Mais je suis pas ça. Mais je te le... 1 ! Parce que ça arrive qu'il redemande le chiffre. Ayant le même chiffre qu'à l'étape 1. Voilà, tiens, tu vois ? L'étape 1, c'était quoi l'étape ? C'était le 3. Non ? Non, non, non. L'étape 1, tu m'avais donné... Oh, il y a le réveil, il y a le réveil, il y a le réveil. Ta gueule, ta gueule, ta gueule ! Putain ! Alors... Vas-y, voilà, tu vois, tout à l'heure tu m'as dit je veux pas savoir, et maintenant vas-y, tu vois. Appuie sur... C'était quoi, l'étape 1 ? T'avais eu ouais, un chiffre ? Ouais, l'étape... C'était quoi le chiffre ? C'était le 3 ou 2 ? Vas-y, fais mec, je suis pas bien. Étape 5, c'est quoi là ? C'est quoi le chiffre que t'as là ? 1. Appuie sur... Ayant le même chiffre qu'à l'étape 1, le tout premier chiffre à l'étape 1 que t'en as appuyé. Eh ouais, tout à l'heure tu m'as dit j'en ai rien à foutre, tais-toi, tu me dis pas le chiffre. Non, c'était 3. Appuie sur 3. 3 ? Attends, attends. Non, c'est pas bon. Ça a tout réinitialisé pour commencer depuis le début. Bon, allez, deux, vas-y. 2. Appuie sur le bouton en deuxième. Ok, donc c'est le 4 en deuxième position. Ok, vite, allez, charge, putain. Le 2. Ça affiche le 2. Même position, la même position qu'avant. Ok, donc c'est 2 en deuxième position. La même position qu'à l'étape 2. Celui, la position qui était... quoi, c'était sur le 4. Quand je t'ai dit d'appuyer sur le 4, c'était le quelle position? Je sais plus, je crois que c'était la quatrième position. Bah, vas-y. Ben là, mais il reste plus qu'une chance, hein. J'appuie, ça pète. Hein. Vas-y, vas-y. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le dernier. Vas-y, le 4. Le même chiffre qu'à l'étape 3. L'étape 3, je t'ai dit quoi ? Je sais plus. C'est le oui, il reste 19 secondes, moi je vais te dire un truc. Tu attends. Diras à ma famille que je les aime. Il reste encore un module qu'on a encore jamais fait. Tu diras à ma famille que je les aime, que je l'aime plus que tout. C'est et que je pourrais 2. Pas manger avec eux ce soir. Appuie sur le chiffre 4. Eux, d'accord. Appuie sur le chiffre 4. Ok, c'est bon, il reste des fils. Ouais. Ça a pété. Ah putain. Shine on Christmas star, shine on.